Parfois, lorsque nous avons notre frigo qui est très bien rempli, lorsque nous avons de l'argent dans notre compte bancaire, lorsque nous avons presque tout ce que nous voulons, nous avons tendance à penser que nous sommes quelque chose et que nous contrôlons ce monde. Et pourtant, nous ne sommes rien. Ne l'oublie jamais, mon frère. Au travers de ce petit film, tu vas découvrir que vraiment, en une seule seconde, la vie d'un homme peut basculer. Tu peux quitter de la joie à la douleur, de l'abondance à la misère. Ton histoire peut être rayée de la surface de la carte de ce monde en un seul instant. Quand tu regardes ces images, tu peux comprendre simplement qu'il est vraiment insensé de croire que nous sommes notre propre créateur et que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Regarde toi-même, ces personnes couraient ça et là, cherchant où se réfugier. Mais il n'y avait pas d'endroit où se réfugier. Il y a parfois des situations comme ça dans la vie où tu ne sais pas où aller. Alors, qu'est-ce que nous gagnons à vivre dans le péché, dans le mal? Si tu finis ta vie dans le péché, ta vie ne sera qu'un simple gâchis. Mais si tu choisis de mettre ta vie en règle et de vivre désormais comme un saint, tu vas tout gagner. Tu auras la paix avec Dieu et tu seras sauvé. Même si un danger survient, tu auras l'assurance de la vie éternelle auprès de ton Créateur. Lorsque tu mourras, tu ne seras pas dans la détresse, mais tu auras la joie de rentrer vers celui qui t'a créé. Regarde ce film et fais la paix avec Dieu. Au regard de ce film que tu es en train de regarder, s'il se trouve que tu as envie de te recommander à ton Créateur, alors je t'invite à faire avec moi cette courte prière. Mon Père Céleste, au travers de ce petit film, je reconnais que ma vie ne vaut pas grand-chose et qu'à tout moment, je peux disparaître de la surface de la terre. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi l'orgueil de la vie. Pardonne-moi tout péché sexuel, tout mensonge, toute chose que j'ai faite qui n'était pas bon. Pardonne-moi d'avoir blessé les gens autour de moi. Et aide-moi à devenir un véritable enfant de Dieu. Accorde-moi, Seigneur, la vie éternelle. Et si jamais survient un malheur, Seigneur, accorde-moi le grand privilège de vivre pour toujours avec toi, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.